بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي. Mes ennemis qui m'ont déclaré la guerre à cause du sectarisme, à cause du fanatisme satanique, à cause de l'orgueil, je vous aime malgré tout. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs, l'humanité, vous êtes ouverts d'esprit, vous êtes souples intellectuellement, vous êtes intelligents, mashallah. Vous avez beaucoup de bonnes valeurs. Il vous manque peut-être l'envie de chercher le haqq, la vérité. Il vous manque aussi la sincérité, cette envie de trouver le haqq, la vérité, et cette sincérité, une recherche simple, régulière, vous permettra de renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le prophète et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices islamiques. Un frère me dit « Assalamu alaikum mon frère Abu Umama. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si je vais continuer à être ton frère. » Après la réponse que je vais te donner. J'ai constaté que beaucoup d'imams en France mettent en garde contre la tariqa soufi, la tariqa soufiya, des Tijaniyya. Quel est ton avis? Merci. Je répète, salamu alaikum mon frère Abu Umam. J'ai constaté que beaucoup d'imams en France mettent en garde contre la tariqa soufiya des Tijaniyya. Quel est ton avis? Merci. Ce n'est pas que des imams en France, c'est tous les imams de la terre, tous les prédicateurs de la terre, tous les savants de la terre, qui ne se sont pas sectarisés. Toute personne douée de raison, douée d'un minimum de connaissance de la parole d'Allah et de la religion d'Allah, si la personne n'est pas sectarisée, si elle n'a pas été piquée par le virus de l'orgueil et du sectarisme et de l'asabiyya al-muntina, de cette asabiyya puante, pleine de puanteur, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, te dira la même chose. Mais moi qui n'aime pas les mises en garde, je te dis, cherche-moi un autre mot autre que la mise en garde pour qualifier Tijaniyya. Tu me diras, bon maman, mais il y a des millions et des millions et des millions de Tijani dans le monde aujourd'hui. C'est l'un des plus grands groupes des Toroq Sofia aujourd'hui, les confréries soufis, représentent un très 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 grand pourcentage dans le monde musulman. Oui, il n'y a aucun problème. Mais le nombre ne veut rien dire. Ça donne juste une indication sur le niveau d'égarement des musulmans. Et pour te rassurer encore plus, moi-même, je descends d'un grand moujahid, un grand savant qui s'est déployé dans le djihad et qui s'est déployé dans la science. C'est vraiment une sommité. Mais, par exemple, quand je prends l'un de ses livres, je n'ai jamais réussi à le lire jusqu'à la fin, tellement je trouvais des aberrations soufis qui dépassent l'entendement.
Mais ces aberrations-là n'ont rien à voir avec les aberrations de Ahmad Tijan, où j'ai passé toute ma vie, dans un endroit où tu parles, juste tu parles de mon grand-père ou de ce que les disciples de mon grand-père a fait de son enseignement, tu es considéré comme un hérétique. Tu es considéré comme quelque chose de mauvais, répugnant. Donc j'ai passé ma vie à combattre ce type de choses. Même dans mon désert, dans mon Sahara. Je n'ai jamais accepté ça. Sachant, je te dis, attends, le grand-père, il faisait de la science extraordinairement complexe que personne ne comprend plus rien. Et il a fait le djihad. Et les gens ont vu des karamates, même, des choses, subhanallah. Mais malgré ça, j'ai essayé de lui trouver des excuses en disant, peut-être c'est les disciples qui ont écrit n'importe quoi et qui l'ont mis sur son dos. J'ai essayé de trouver des excuses. Mais le livre, lui, hein, par exemple, je n'ai pas réussi à le lire, par exemple. Du tout, j'ai jamais. Il est en bas, donc, il a toujours été dans ma bibliothèque, mais je n'ai jamais pu le lire. Donc ça, alors que ça n'a rien à voir avec les aberrations de Ahmad Tijani. Donc pour te dire quoi? Pour te dire que ce que je vais te dire sur Tijani, hein, ne l'applique pas sur la populace qui suit, sans rien comprendre. Des gens qui ont ouvert leurs yeux dans ça. Parce que moi-même, j'ai pratiquement 99,99% de ma famille qui ont ouvert les yeux sur une partie de ça. Attention, les aberrations ne sont pas comparables du tout. D'accord? Mais par ignorance, parfois, ils disent des choses gravissimes qui peuvent sortir de l'islam, qui peuvent sortir la personne de l'islam. Donc, je connais le milieu. Tout en rappelant que je te dis, ce que j'ai vécu moi, ça n'a rien à voir avec ce que les Tidjani font. Mais on va oublier les Tidjani. On va oublier la populace. On va parler des savants. On va parler du lanceur, du fédérateur, du mathématicien tijanique. Parce que chacun, vous savez, chacun crée son sectarisme, la là, il détruit. Il peut mourir, il continue à détruire 300 ans après. Le Tijani, c'est 1700 et quelques. Ahmad Tijani. Donc vous savez, voilà, 300 ans après, il continue à ravager le monde. Donc, Tijani. Donc je sors des petites choses. Donc je rappelle que j'ai fait, à une époque, si ça intéresse quelqu'un, je pourrais sortir ça, plusieurs heures sur Tariqa Tijaniya. Le problème, c'est que j'avais fait ça en arabe à l'époque. J'ai plusieurs tomes de livres consacrés à Tijaniya. Et j'ai commencé à lire sur des heures et des heures sur Tijani, mais en arabe. Après, je me suis dit, moi, je me suis spécialisé dans le rappel francophone, à quoi ça va servir, et j'ai oublié cette histoire. Mais ils sont quelque part dans mes disques durs. Donc, Tijani, Ahmad Tijani, il a appris le Coran jeune, il a commencé à voyager. Il a un jour rencontré dans ses voyages des chouïours soufis. Jusqu'à là, tu vas me dire, pas de problème. Et à un moment donné, il dit qu'il a rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan. Il a rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme quand tu rencontres ton boulanger le matin, comme tu rencontres le maître de tes enfants. Il l'a rencontré yaqadatan. Lamanaman. Il ne l'a pas vu dans le songe, il l'a rencontré vraiment dans la vie réelle, dans la vie de son époque. Donc il n'a pas rêvé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça peut arriver que tu rêves de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il t'annonce des choses. Lui, non, 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 il nous a dit qu'il l'a rencontré vraiment. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé à lancer sa tariqa tijaniya, ses aberrations tijaniya, ses kufriyat, ses paroles de kufr, et ses actes de kufr de tijaniya, et toutes ces aberrations. Donc il nous dit que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a autorisé. Et juste après, il s'est autoproclamé aussi descendant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit que Muhammad, il a posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et
Il lui a dit, est-ce que je suis ton, est-ce que je descends de toi? Est-ce que je suis ton fils? Est-ce que j'appartiens à ta descendance? Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répond, non, tu descends de Hassan. Alors qu'il n'a aucune preuve, alors que c'est de la pure aberration, c'est du pur mensonge, tu me diras, ok, il ne descend pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas grave. Il peut être un savant, il peut apporter quelque chose, il peut être un réformateur. Je dis oui, pas de problème. Mais quand tu mens, d'accord? Donc déjà, à la base, Ahmad Tijani est l'un des plus grands escrocs de la Terre. L'un des plus grands menteurs de la Terre. Quand tu entends les chouïours de Tariqa Tijaniya, et ce sont ceux-là les plus dangereux. La populace, la pauvre, elle est ignorante. Elle a ouvert les yeux sur les aberrations. Elle a pensé que ces aberrations font partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut les comprendre. Il faut les porter, il faut les supporter, il faut les conseiller de la meilleure des manières. Moi, je m'aventure dans le rappel sur Tijaniya, et j'ai dans mes entourages des noirs, dans des salles de prière, dans des mosquées, et les gens me disent, attention, tu parles de Tijani, ils vont te tuer. Et j'ai déjà fait des khutbas sur Tijani et sur Tijani. Et ils m'ont pas tué. Donc les gens, quand tu leur expliques calmement, simplement, sagement, gentiment, doucement, wallahi, ils ont la fitra du tawhid. Ils ont un cachet, ils sont cachetés tawhid. C'est écrit dans leur gène. C'est écrit dans leur âme, c'est mélangé avec leur âme. Mais il y a des strates et des strates et des strates d'orgueil, d'ignorance, de sectarisme, de manipulation par les bourreaux et par les gourous, qui fait qu'à un moment donné, on ne voit plus cette fatwa. Mais si on leur adresse la parole gentiment, doucement, calmement, intelligemment, sur la durée, petit à petit, alhamdoulillah, les sincères parmi eux mettent de côté cette poubelle. Poubelle de kufr, attention. Poubelle de bid'a, d'innovation. Poubelle de malheur. Donc ça, c'est le début de Ahmad Tijani. Maintenant, billahi alayk, écoute. Ahmad Tijani vous dit que salatul fatihi, lima ughliq. Salatul fatihi, lima ughliq. Tafdulu, tafdulu, ou ta'dilu, qira'at al-Qur'ani 6000 marra. Il se dit que salatul fatihi, lima ughliq, une salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tient sur 2 lignes et demie. La moitié de ces 2 lignes et demie piquées d'une parole de Ali ibn Abi Talib. Et sur 2 lignes et demie, il te dit, ça équivaut, et c'est même mieux, que la lecture du Coran 6000 fois. À vous-même. À vous-même. Ça c'est du kufr. Non. Tu mens à vous-même et sur lui. Là. Va écrire, va lire les livres de Tijani. Je pourrais te donner quelques indications si tu veux, Charles. Et tu pourras les trouver aussi sur Internet, les livres de Tijani. Et ils sont dans toutes les librairies, attention. Et les présidents et les rois aiment Tijani, aiment Sofia en général. Les aberrations Sofie, ils aiment bien. Attention, on ne parle pas de Sofia la pure. Là, on parle de Sofia Torok, ces confréries malheureuses. Donc, j'arrête le rappel ici. Tu es sincère, tu me dis aïe, tu te dis aïe. Aïe, 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 aïe. À la zone de turbulence, de kufr wal-iyadu billah, j'arrête. D'accord? Ça, c'est la réaction normale de quelqu'un de sincère. Et toujours pour aider quelqu'un, moi je lui dis, imaginons que Ahmad Tijani n'a pas existé. Est-ce que l'islam serait accompli? Tu réponds oui, kafart. Tu deviens kafir. Tu réponds non, je dis jette-le à la poubelle. Et comme ça, tu règles le problème. Tu ne te sectarises jamais. Je répète, Ahmad Tijani, s'il n'avait pas existé, l'islam aurait manqué de quelque chose, aurait été incomplet. Tu dis oui, kafir. Kafir, tu deviens un écrivain. Si tu dis non,
Je lui dis, bah, jette-le à la poubelle, c'est bon, pas besoin. Maintenant, plus la personne est dangereuse, plus quand tu t'intéresses à elle, tu t'intéresses à elle en étant immunisé. Et juste pour répondre à ces aberrations. Mais quand tu t'intéresses à elle au quotidien et tu prends ses préceptes et tu les appliques dans ta vie, wal'iyadhu billah, tu pourras le rejoindre là où il sera. S'il n'a pas fait son repentir sincère avant sa mort. D'accord? Donc les aberrations sont infinies, attention, les tijani, attention, en général, les confréries soufis, en général, pratiquement sans exception, sont dans des aberrations de kufr, de charlatanisme, d'innovation, d'innovation, d'égarement, sont égales. Mais Tijaniya est l'une des pires, d'accord? Parlons, disons, ce qu'on appelle Nadhariyat al-Hulul, Wahdat al-Wujud aussi, les deux. Donc, Allah est dans tout et partout. Pour la raisonner, Allah est partout et dans tout. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne se dissocie pas de ce qu'il a créé. Il est dans ce qu'il a créé. Et là, imagine ce que ça peut impliquer. Imagine le niveau de kufr. Et dans les livres de Tijani, il te dit, celui qui a adoré la statuette, il n'a pas finalement adoré la statuette. Parce que la statuette fait partie d'Allah. Ou Allah fait partie de la statuette. Donc il n'est pas kafir. Et on a même vu parmi eux, subhanallah, des gens qui, quand ils entendent le chien aboyer, ils disent labbayk, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. Parmi les soufis en général. Ça s'est produit. Ça s'est déjà produit. Il entend le chien aboyer. Il dit labbayk wa labbayk, je viens à toi. En disant, en pensant quoi, finalement, que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le chien. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, c'est nadhariyatu wahdati al-wujud. Et non, une autre nadhariyat al-hulul, Allah dans tout aussi. Donc des aberrations sans limite. Et ça remplit les livres Tijani. Maintenant, les Tijani des temps modernes, est-ce qu'ils voient ça? Est-ce qu'ils croient à ça? Là, ils ne peuvent même pas aborder ça. Ils sont des gens simples et normaux. Mais attention, leurs grands savants, savants de Marseille, savants de l'Afrique, sont complètement déviés. Ils croient à ça, ils écrivent ça dans leurs livres, ils adorent les livres de Tijani et les livres des disciples de Tijani. D'accord? Tijani était un orgueilleux sans nom, un malheureux sans nom. Parmi ses aberrations, c'est qu'il nous dit que il met ses pieds sur n'importe quel saint. La sainteté, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et personne ne pourra être plus saint que lui. Il y aura des saints, mais personne ne sera comparable à lui. Et il dit, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, je suis le sceau des saints. Et il dit, je mets mes pieds sur n'importe quelle tête, n'importe quel saint qui prétendra être plus saint que moi. On lui répond, Ya cher, peut-être ça peut arriver. Il dit non. Ya cher, est-ce que Allah est incapable de créer des saints plus saints que toi? Il a dit, oui, Allah est capable, mais il ne le fera pas. Regarde, regarde la bassesse, regarde l'orgueil, regarde la manière de parler. Tijaniyya sont connus dans l'histoire de l'Afrique comme des gens qui étaient heureux du colonialisme, qui ont aidé le colonisateur, qui étaient comblés. Ahmad Tijani, ses disciples, étaient comblés, et ceux qui les ont suivis, par le colonialisme, par la colonisation. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont même pas le strict minimum des caractéristiques humaines. Parce que l'humain, quel qu'il soit,
ne supporte pas que sa patrie soit colonisée. Et les Tijani ont aidé, ont tout fait pour la colonisation de leur terre. Ça peut vous sembler une aberration, mais allez étudier. Donc on peut parler et parler et parler jusqu'à la fin des temps sur Tijaniya. C'est du kofr wal iyad billah, c'est de l'aberration, c'est de l'innovation. Ils ont des adhkar, ils ont une flémardise totale par rapport au Coran. Ils font l'exégèse du Coran d'une manière, subhanallah, étonnante, qui n'a aucune base scientifique, aucune base proche de l'interprétation, de l'explication des versets. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais te dire plus maintenant, puisque vous avez ouvert la boîte de Pandore sur Tijaniya. Méfiez-vous de venir attaquer. Parce que si vous venez attaquer par sectarisme et orgueil, qu'est-ce que je fais? J'ouvre une série. D'accord? Et je ne vous lâche plus. D'accord? Parce que j'avais déjà commencé il y a quelque temps. Mais dommage que je n'avais pas fait ça en français, j'avais fait ça en arabe. Peut-être je le sortirai, Inch'Allah, et quelqu'un traduira. Mais attention de venir massacrer. Voilà. Tu te remets en cause. En tant que Tijani, tu vis avec des Tijani, doucement, calmement, gentiment, tu leur expliques petit à petit, Inch'Allah, pour les sortir de leur aberration. D'accord? Maintenant, leur livre et leur savant, et Ahmed Tijani lui-même, ce sont des gens qui ont nagé dans le kofr, dans l'innovation, dans l'aberration, dans des choses que même les pires égarés n'ont pas atteint. Leur égarement à eux vient de l'Inde, vient des dérives de l'Inde, vient des koufars de l'Inde, vient des pires koufars de la philosophie, la pire, vient des pires aberrations qu'on a pu retrouver sur la terre. D'accord? Ahmad Tijani et ses disciples. Maintenant, la populace est une populace qui subit l'ignorance, qui subit le mimétisme. Ils sont nés dans ça, donc nous devons prendre ça en compte. Et on ne doit pas passer notre temps à les insulter ou à être dur avec eux. On va devoir être gentil, doux avec eux, en leur expliquant petit à petit, Inch'Allah, en les supportant, en supportant leurs erreurs. Après, les danses dans les mosquées, « I like to move it, move it » dans les mosquées, les folies dans les mosquées. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux comme folie, comme innovation, tu trouveras les Tijani derrière et dedans. Et avec. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.